Yo YouTube! Tu crois que je me suis pas changé? Non, c'est juste que j'ai fait 3 wins la même matinée, mais celle-ci elle est violente. Je te laisse la regarder, ça bastonne, la nouvelle map est trop simple. Bisous. Abattez toutes les cibles! Leur voilà sur pied, tu peux le faire. Péter les plombs ou quoi? Chris Brown qui est arrivé dans mon dos. Il m'a pris pour Rihanna. C'est la crise ce cas, je peux pas me sub. C'était pas un headshot? On a une pièce de ravitaillement. Sécurisez la position. Je me démerde mieux, les gars, au spawn. Je sais pas ce que vous en pensez. Nice. J'ai réussi à le toucher 2 fois avec ce fusil, les gars. Vous avez vu, les gars? Le bruit constant est horrible, je suis d'accord avec toi frérot. Attends la braderie. Ah t'as raison frérot, avec toutes les braderies qu'il y a. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Putain, Youssef, il a pas rigolé, hein. Youssef, il m'a défoncé, les gars. Bon, après, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, les gars. C'est même si il m'a défoncé... Aïe, le M1 Garand, c'est l'arme que j'aime le moins. La technique du crocodile, chat. Tu restes allongé, t'as juste les yeux qui dépassent de l'eau, tu défonces tout. Crocodile strategy, man. Crocodile strategy, motherfucker. T'aimes à la taille du rat, t'aimes à la taille du croco. Là, je suis en train de chercher, les gars. En gros, sur mon ping, il devait y avoir quelqu'un. C'est t'inspectes à peu près, tu vois ce qui se passe. Mais...
Et même ce viseur là. Bon, ok, il est dégueulasse, mais il vise vite, vous avez vu ça? Donc ça veut dire vraiment qu'il y a la possibilité d'avoir un truc qui vise vite. Bon, par contre, il n'y a plus aucun avion. Genre, tout le monde a pris son avion et s'est barré. Il me dégoûte, les gars. Ok. Il y avait un mec derrière moi. Est-ce qu'il va venir? Oh, chat, ça c'est un futur clip, je pense. Lui, je crois que c'était un fantôme. Ah, vous avez vu ce qui vient de tomber par terre? C'est quoi ça? Chassé gros gibier. La cible mise à prix a été identifiée. Occupez-vous d'elle. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a plus de kills que moi. Non, c'est moi le meilleur. J'ai 9 kills. Tu chasses le meilleur de la game. T'es sérieux, c'est toi le meilleur de la game? Frérot. Et les gars, il devait avoir 3 kills ce mec là. Ça, c'était le meilleur joueur de la partie, les gars. Ouais. Très très bon. Très très bon ce joueur. Vous voulez qu'on réinitialise la braderie, les gars? Hop là, réinitialise Z. Un peu de magie. Respectez pas là tous hein. Mais non, c'est encore Youssef qui est venu me chercher. Hey Youssef, tu vas pas me tuer deux fois à la suite quand même. C'est un headshot ça, non? Reconnaissance en approche. Le drone commence son survol. Logiquement, j'ai juste à faire une glissade et un quickscope. Cette game, les gars, pour le moment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que je me démerde bien. L'insolence. Mais en fait, tu sais, je toquais à la porte sur le côté pour qu'il se retourne et ça a marché. Je m'attendais pas, hein. Mais c'était un bon coup de génie, ça, les gars. Ça traverse le placo. Toute cette map, les gars, en fait, il faut savoir un truc important, les gars, sur les matières là. Tous les cailloux, les gars, ils ont une surépaisseur. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, là, les gars, vous pensez que vous pouvez tirer genre juste ici? Non. Vous devez mettre votre viseur au moins ici. Parce que de ce caillou à là, en fait, il y a genre ça de faux. En fait, il y a une sorte de truc invisible. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les autres murs sur tout le jeu, mais ils sont full accessibles, les gars. Genre full accessible. Tu peux faire plein de wallbang, tout ça et tout. C'est easy peasy. Connaissance en approche. Survol. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Elle passe à travers.
dangereusement. C'est vraiment une merde. Reste caché dans des ruines, c'est un gameplay qui te va bien. Ouh, il est en train de me courir dessus, le mec en bas là. Faut que je fasse gaffe avec ces contrebas, je me fais souvent... Alors que j'ai l'avantage, je me fais souvent baiser, donc... je vais prendre une meilleure position et je pense que je vais lâcher un bon quickscope. Non, même pas. J'ai envie de lui en mettre juste une, les gars, dans le front. Petite puce. Le drone commence son survol. Trop d'ennemis. Un largage d'équipement est en route. Je me dirige vers le tireur. Le drone est à court de carburant et le coup de la portière, c'est croire raid aérien en approche, c'est du hasard, et en fait, et t'as des trucs qui tombent, tu vois. La vérité, c'est que je pense que ça chope le joueur qui a le meilleur ratio dans la game, le meilleur KD, etc. En gros, le théorique meilleur joueur qui est censé gagner. Et ça lui envoie des difficultés. C'est pour ça que je me les prends en boucle depuis hier, ces conneries. Les gars. Il est sérieux ou pas? Vous savez ce qu'on va faire, les gars? J'ai marqué les cibles. Envoyez la frappe aérienne. Ici Phoenix 3, frappe imminente. Ennemi ciblé. Vous avez dit de ne pas vous inquiéter pour moi. Le gaz s'en rapproche. Faut que je recharge. Il y a vraiment un temps de rechargement qui est important avec ce car. Je suis déjà quasiment en zone, mais ce mec me dérange. On a 16 kills, les gars. Je suis bien positionné, encore une fois. Tranquille. Une nouvelle zone de sécurité. Situation de 1v1 v1. Je suis dans la merde. Oh,
Ah, y'en avait un qui avait un masque en or et du coup il s'est planqué dans les plantes, dans le gaz. Ça m'a surpris de ouf. Ah là, c'était pas gagné, les gars. J'étais Comas avec le bouclier. Qu'est-ce que t'as, Espawn? T'as maté ma game? Tu regardais comment faire un top 1? Grosse merde. Les mecs, c'est des lunatiques as fuck. Ils insultent et après... Ah, mais c'était chouachin. Bien joué.